Alboan gobernuzkanpoko erakundearen arabera, urtero 100.000 emakume bortxatzen dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan. Ego eta Iparkibun eta Ituri eskualdean are gordinagoa da egoera. 1986an hasitako eta 2003an gaizki bukatutako gerrak, mineralen legez kanpoko ustiaketak eta horiekin loturiko talde militarren presentziak areagotu egiten ditu segurtasunik eza, emakumeen aurkako indarkeria sexuala eta herritarren barne migrazioa. Ieslarientzako Nazio Batuen goi mandatariaren 2018ko datuaren arabera, 4,5 milioi barne migrante daude herrialdean, eta 811.300 errefuxiatu berriz inguruko herrialdeetan. Horietatik 160 emakumeak dira. Les occidentaux qui achètent, qui préfèrent acheter les minéraux qui ne sont pas classés pour les avoir à moindre prix et les amènent à l'Occident pour fabriquer. Vous connaissez très bien le coltan, c'est 80% de coltan qui sort de la RDC, qui fabrique les téléphones. Les téléphones qui facilitent la communication, qui nous facilitent tout à l'Occident. Mais ici en RDC, il y a des gens qui perdent leur vie. Le cycle de conflits en République démocratique du Congo et l'insécurité persistante avec les guerres à répétition ont pris au piège les femmes congolaises. Les femmes congolaises sont prises pour cible parce que les belligérants ont pour stratégie de guerre les violences sexuelles. Détruire les femmes pour humilier, pour anéantir l'ennemi, c'est la devise des belligérants. Et donc les corps de femmes sont les champs de bataille. Les belligérants se battent sur les corps des femmes. Et cette insécurité est dite puisqu'il y a une multitude de groupes armés. On a cru qu'avec les élections de 2019, comme c'était l'opposition qui était au pouvoir, les choses vont changer. Mais malheureusement, les choses ne font que s'empirer. Puisque je crois que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, nous étions en Nord Kivu à une trentaine de groupes armés. Mais aujourd'hui, on parle de plus de 150. Oui, donc lorsqu'il y aura toujours des groupes armés actifs, puisque nous avons des groupes armés étrangers et des groupes armés nationaux, là, les femmes continueront toujours à fuir, puisqu'elles sont toujours victimes. Lorsqu'il y a des combats entre deux fractions, que ce soit l'armée ou avec tel ou tel groupe armé, celles qui sont toujours victimes, ce sont les femmes. Et pour voir comment elles peuvent se protéger, elles fuient toujours. Et c'est pour cela qu'il y a toujours des déplacements. Les hommes ont fui leur ménage et les hommes ont fui leur village, abandonnant seules les femmes avec les enfants. Et donc, quand les belligérants arrivent, quand les combattants surgissent, ils trouvent les femmes et les enfants. Et donc, les femmes sont obligées, elles seules, de supporter, de porter le coup et le poids de tout ce qu'il y a comme guerre, de tout ce qu'il y a comme conflit. Et maintenant, les femmes se retrouvent dans un cycle sans fin de déplacement. Elles se déplacent pour essayer d'épargner leur vie, d'épargner la vie de leurs enfants. Et pendant leur déplacement, elles font face à des incroyables formes de violence. Gerrako indarkeria sexualaren inguruan dagoen isiltasuna puskatzeko helburuarekin, AFEM Ego Kibuko emakume kazetarien elkartea sortu zuten 2003an. 2016an berriz, Mama Radio genero ikuspegiko irratia sortu zuten. Merci de suivre Mama Radio pour ce flash d'information. 2015an FPM fundazioa sortu zuten Kadi Atzubak eta bertze hainbat emakumek. Andreen alfabetatze, prestakuntza eta aurrezki taldeak sustatzen dituzte emakumeak ahalduntzeko eta indarkeriari aurre egiteko. Jusqu'aujourd'hui, nous avons parlé de la droite, d'autres femmes qui parlaient de la transabilité, on a parlé des lignes directrices,
de l'Union européenne, mais ils ne sont pas suivis puisqu'il n'y a pas de sanctions pour les personnes qui ne respectent pas ces lois. Il faut qu'il y ait des sanctions, donc on doit lutter contre l'impunité, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais nous savons que les minéraux quittent la RDC d'une façon frauduleuse et une fois arrivés dans les pays voisins, ça va en Malaisie, là où on les transforme, là où il y a... Et là, une fois arrivés dans les pays voisins, on ne saura pas que ces minéraux n'ont pas été transférés en RDC. Donc ce que nous demandons, qu'on respecte la transabilité, la chaîne de transabilité, mais aussi qu'il y ait des sanctions pour les personnes qui ne respectent pas. Nous avons beaucoup d'espoir pour le futur parce que la résilience de femmes actuellement, c'est vraiment un grand succès que nous célébrons. Nous célébrons le fait que les femmes meurtries par la guerre, les femmes qui ont enduré toutes les formes de souffrance, toutes les formes de douleur, toutes les formes de violence, arrivent à s'en sortir aujourd'hui renforcées. On voit déjà les femmes engagées à travers le réseau, à travers les dynamiques pour exiger que leurs droits soient respectés, pour être le relais de voix des autres femmes. Donc à ce jour, la République démocratique du Congo dispose de textes, de plus beaux textes en matière de droits de femmes et même qui prennent en compte ce contexte-là de conflit. Mais le problème, c'est jusque-là, il n'y a pas assez de volonté d'appliquer, de mettre en pratique, de respecter ces engagements. Et donc, pour nous, le fait que notre pays dispose déjà de ces textes, c'est un pas. Et le combat continue, les combats continuent. Comme on a eu ces textes, on va se battre pour le respect de ces textes. Pour parler du drame, il ne suffit pas d'avoir des milliers, des centaines de femmes qui sont violées. Une fillette de 2 ans qui est violée, une vieille femme de 80 ans qui est violée, c'est déjà un drame. Et donc, on va continuer les combats et l'espoir est permis. Nous espérons qu'on arrivera un jour à un Congo meilleur. Et nous continuons de croire que c'est le leadership féminin qui va relever le défi. C'est le leadership féminin qui va apporter un nouveau paradigme pour notre pays.